Change no fucking blouse, yeah. Bitch, I make it rain, yeah. You dig that? They won't know a thing about you. You still that? Eh bien salut tout le monde, c'est Funky et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Et je suis accompagné de Funky First. Donc voilà, il est avec moi en convo Skype mais vous ne pourrez pas l'entendre. Donc là c'est une vidéo que je vais vous faire donc pour savoir où XP le plus rapidement en Pandarie. Donc premièrement du niveau 85 à 86 vous devriez XP à la forêt de Jade. Donc faites des quêtes, ça va assez vite. Comme vous pouvez le voir, je suis pas allé, j'ai pas exploré toute la forêt de Jade, donc j'ai juste exploré cette partie là, ça m'a suffi pour XP jusqu'au niveau 86. Et ensuite niveau 86 vous allez arriver ici là, donc au Val d'un éternel printemps. Alors soit vous faites les quêtes, ou soit sinon je vous conseille vivement de venir ici là où je suis, donc sur les deux amas de terre qui sont ici, et vous allez tuer tous les petits mobs qui sont ici, donc qui sont à 55k. C'est vraiment pas beaucoup, ça se tue très facilement, ils arrivent par paquet, enfin bref, et ça donne beaucoup d'XP. Enfin, quand vous êtes niveau, quand vous êtes niveau 86, ça donne assez d'XP. Donc moi j'ai XP comme ça jusqu'au niveau 87, et après 87 et demi à peu près, enfin la barre en haut à moitié. Et après je vous conseille de vous rendre donc aux étendues sauvages de Krasarang. Et de XP un peu de partout, enfin bref, vous allez passer vite le level suivant. Et ensuite, là on va se retrouver après aux terres de l'angoisse. Et donc je vous fais une petite coupure, à tout de suite. Et donc, donc nous sommes arrivés aux terres de l'angoisse. Donc dans les terres de l'angoisse, nous sommes ici, nous sommes ici là, comme vous pouvez le voir ici, là au petit croisement. Donc vous descendez des Claxives et vous descendez jusque là au Bourbier aux billets. Et en gros ici vous allez voir, regardez, il y a des petits essaims. Donc ici là par exemple vous avez des petits essaims. Donc ça ici vous allez voir ma barre d'XP, on est à 38%. Je vais. Avant que je commence, il faut que vous ayez au moins quelques sortes de heal, des sortes de zones, des gadzone, parce qu'en fait même s'ils ont pas beaucoup de vie, ils sont plusieurs et ça fait très mal. Donc c'est pour ça que là j'ai. Qui est avec moi pour m'assister, mais sinon moi je le fais tout seul. Enfin j'ai XP 88, 89, là, enfin 90 quoi, jusqu'à ici. Donc voilà, donc vous les aggro, ils vont tous arriver. Ensuite vous mettez votre pierre et hop, après là vous enchaînez. Hop. Voilà. Donc voilà, on est passé 39 et 41. Certes c'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup plus que si vous faisiez des quêtes sur ce level. Et en plus c'est ce level là est vraiment compliqué à passer. Donc déjà c'est déjà hardcore. Enfin c'est déjà beaucoup. Et encore après si vous fermez tous les essaims, il y a vraiment de quoi faire la masse d'XP, parce qu'il y en a de partout. Il y en a encore là-bas au fond. Il y en a en haut je sais aussi. Bref, donc regarde, vas-y, si tu prends tout l'aggro là-haut, regarde Free là-haut, il y en a plein. Ok, donc voilà, donc vous pouvez voir on augmente, ça augmente assez, c'est assez, franchement on était level, c'était combien j'avais dit tout à l'heure, 41, on est déjà passé 51, enfin 51%, donc en même pas 5 minutes, donc c'est, franchement c'est vraiment pas mal. Toi tu viens voir par là toi. Hop là, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et c'était Funky, à la plus. Bye bye.